Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact et pour parler à nouveau de la mise à jour 1.2 grâce à cet article qui est sorti hier sur le site officiel de miHoYo et qui nous détaille un petit peu et bah, tout simplement les choses de cette mise à jour. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes, cette mise à jour a l'air vraiment vraiment très bien. Je rappelle que la mise à jour aura lieu le 23 décembre, donc mercredi. Et sur ce, et ben on est parti pour lire cet article et le décrypter un petit peu ensemble. Mise à jour de la version 1.2, Craie et Dragon, nouveauté. Du coup, salutations voyageurs, la mise à jour de décembre approche à grands pas. Cette dernière mettra à l'honneur la zone des monts d'Eau-Dragon. Avant de vous lancer dans l'aventure, nous aimerions prendre quelques instants pour vous la présenter un peu plus en détail. Nouvelle zone, les monts d'Eau-Dragon. Donc on voit ici qu'on a la carte qui est révélée de la zone. La zone n'a pas l'air très grande. Néanmoins, attention, la zone est sur plusieurs reliefs. Vous avez des zones en sous-sol, vous avez des zones en hauteur, donc elle est peut-être pas grande en termes de superficie, mais en termes de contenu à l'intérieur, ça peut être beaucoup plus grand que ce qu'on voit à l'écran. Donc la version 1.2 vous permettra de tester vos compétences d'aventurier dans une nouvelle zone, les monts d'Eau-Dragon. Une nouvelle expérience d'exploration vous y attend avec des énigmes et des quêtes inédites. J'ai hâte, honnêtement j'ai hâte, donc il y a l'air d'avoir quand même pas mal de téléporteurs, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 évidemment, la statue des 7 et le donjon sont également des téléporteurs, donc la statue des 7, on ne sait pas de quelle région elle est pour l'instant, est-ce que ça va être de la région de Mondstadt ou est-ce que ça va être de la région de Liyue? On a l'air d'y arriver par ici, notamment. Le chemin a l'air d'y être par ici. On a un nouveau téléporteur ici. On voit le bas de l'icône. Ici, c'est Mondstadt. Et on peut également peut-être y arriver par là. Et ici également, c'est Mondstadt. Donc, à voir. À voir, honnêtement. Mais ça a l'air plutôt bien. Climat glacial, explication. Donc là, ils vont nous expliquer un peu comment marche la nouvelle mécanique dans la zone, qui est la mécanique de grand froid. Une nouvelle mécanique fait son apparition avec les monts d'Eau-Dragon. Le climat glacial, sous ses conditions météorologiques particulières, les personnages subissent en continu les effets du grand froid. Donc on a évidemment une barre au-dessus de notre barre de vie, donc une nouvelle barre ici. On l'avait vu lors du live de la 1.2. Et ici, nous en explique un peu plus en détail les mécaniques. Lorsque le grand froid atteint son paroxysme, les personnages commencent à perdre des PV à intervalles réguliers. Donc ici, voilà, quand on voit que la barre est pleine, quand la barre est pleine ici, et ben vous allez perdre des PV à intervalles réguliers. C'est pas dit que le nombre de PV que vous perdez augmente, mais on voit quand même que ça peut descendre assez vite. Hein. Toutes les secondes, on perd des points de vie. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pour contrer en fait tout simplement ça. Donc si vous arrivez avec votre barre de grand froid au maximum, c'est que franchement, il faut l'avoir voulu. Certains phénomènes comme les tempêtes de neige et ou certaines actions comme nager dans l'eau glacée accélèrent la progression des effets du grand froid. Ça c'est très bien. Honnêtement ça c'est très bien parce que la mécanique est bien travaillée. On a vraiment des choses qui sont un petit peu plus réalistes. J'ai envie de dire quand vous nagez dans l'eau glacée, eh ben, vous vous refroidissez beaucoup plus vite et les tempêtes de froid vous refroidissent également beaucoup plus vite. Donc ça c'est très bien, honnêtement je trouve ça vraiment très intéressant comme mécanique, à voir si à la longue ça va pas être chiant, mais ok, on voit ici que le MC est en forme anémo. Hein. Vous découvrirez également qu'il existe dans les mondes aux dragons des mécanismes qui provoquent des effets spéciaux sur les monstres à proximité avant de vous attaquer à ces monstres, prenez le temps de les détruire, donc ça c'est pareil. Des espèces de stèles d'enchantement ici qui vont donner des pouvoirs supplémentaires aux monstres. Donc peut-être penser à les détruire avant de taper le monstre, même si à mon avis ça va pas non plus être trop compliqué de buter les monstres. Mais on sait jamais, on peut être surpris, on sait pas trop quel genre de pouvoir ça leur donne. Oh, et vous vous rappelez peut-être de la boussole permettant de localiser les trésors. Je pense que cette boussole est utilisée par énormément de mondes hein, maintenant. En raison des fluctuations des lignes énergétiques des mondes aux dragons et des conditions climatiques extrêmes, vous ne serez pas en mesure de l'utiliser comme vous le feriez en temps normal. Donc vous ne pourrez pas chercher les coffres avec cette boussole. Il va falloir le faire comme avant l'arrivée de cette boussole.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Honnêtement, je trouve ça bien. Parce que la boussole, c'est quand même un truc un petit peu d'exploration assistée hein, pour les personnes qui ont déjà bien exploré la map et qui ont encore des petits coffres qui traînent à droite à gauche mais qui ne les trouvent pas. Ici, on est dans une nouvelle zone. Donc, c'est quand même intéressant ici qu'ils aient désactivé la boussole pour localiser les trésors. Objet de l'environnement. Donc là, on va voir un peu tout ce qui nous permet de contrer l'effet grand froid. Vous pouvez utiliser les feux de camp, les braseros des ruines, les points de téléportation, les statues des sept, enfin la statue des sept, et l'effet ardente pour réduire les effets du grand froid. Ces sources de chaleur ralentissent les effets du grand froid. Donc ici, on voit qu'Amber, elle allume une torche. Donc ça, c'est les torches que vous croisez déjà dans le monde à l'heure actuelle. Donc très bien. On a également la cuisine ici, les stèles avec les fées. Donc ça va être, c'est comme les fées bleues que l'on a dans les zones actuelles qu'on doit ramener sur leur petit hôtel et que ça vous déverrouille un coffre. Et bah ces petites fées ardentes permettront également de réduire l'effet grand froid. On a également cette espèce de grosse pierre avec cette espèce de boule de feu à l'intérieur. La cuisine portative peut peut-être fonctionner. C'est pas mentionné ici, mais vu qu'on a ici, on voit ici que la cuisine fonctionne. Peut-être que la cuisine portative, pardon, fonctionne. À voir, à tester. Personnellement, je l'ai pas, donc je ne pourrais pas tester, mais à voir. Nourriture spéciale. Terminez la quête. Viande assez fraîche pour recevoir la recette du goulash. Ce plat consistant permet de réduire les effets du grand froid subis par tous les personnages de l'équipe pendant une certaine période. Donc on va réduire les effets du grand froid pendant 900 secondes ici. Il vous faut de la viande, une nouvelle viande je pense, parce que c'est pas la même icône ici. De la viande, des carottes et des tomates. Voilà, pour crafter cette nouvelle nourriture et elle se débloque une fois qu'on a fini la quête. Viande assez fraîche. Gadgets spéciaux. Vous pourrez faire des offrandes à l'arbre permagelé pour augmenter votre niveau d'offrande. Une fois que vous aurez atteint un certain niveau d'offrande, vous obtiendrez le plan de la fiole exothermique, un objet consommable qui permet de résister au grand froid. Il nous montre les ingrédients qu'il faut pour crafter ce gadget un petit peu plus bas. Et ici, on nous parle des offrandes à l'arbre permagelé. C'est également expliqué plus bas. Vous allez voir, ce système est très intéressant également. Cristaux de sang. Les personnages sous l'effet des cristaux de sang deviennent totalement immunisés aux effets du grand froid. Vous trouverez des cristaux de sang un peu partout dans les monts d'eau dragon. Pour plus de détails sur leurs utilisations, lisez la suite. Donc, cristaux de sang. Les cristaux de sang sont des pierres mystérieuses qu'on peut trouver dans la région des monts d'eau dragon. Ils émettent une chaleur qui viendra envelopper les personnages. Une fois brisés, collecter des cristaux de sang vous permettra d'arrêter la progression des effets du grand froid et de lui résister tant que leurs effets est actif. Donc ça ne diminue pas la barre, mais ça arrête sa progression. On voit ici la petite animation quand on est sous l'effet des cristaux de sang. Mais les cristaux de sang ne servent pas qu'à ça. Il existe également un type de glace étrange dans les mondes aux dragons qui ne peut être brisé par des armes ou fondu grâce à l'élément pyro. Seules les attaques effectuées sous l'effet des cristaux de sang peuvent en revenir à bout. Également, mécanique très intéressant ici, on voit qu'ici on déverrouille un mécanisme, mais on peut également sûrement déverrouiller des coffres, etc. Donc, mécanique très très intéressant ici, avec ces cristaux de sang. Il y a quand même des bonnes mécaniques sur cette carte. Nouveau système, arbre permagelé. L'arbre permagelé est un arbre qui veille sur les monts d'eau dragon depuis les temps immémoriaux. Donc on voit ici l'icône, on va revenir rapidement en haut sur la carte pour vous montrer ici. L'arbre permagelé se trouve ici, donc quasiment à l'entrée en fait de la carte. Si on entre par ici, il se trouve juste à l'entrée. Hop, on était ici. Lors de votre exploration de la zone, vous pourrez collecter de l'agate pourpre. Donc c'est ça, ça ressemble à ça, l'agate pourpre, et en offrir à l'arbre permagelé pour augmenter son niveau d'offrande. Cela vous permettra d'obtenir de nombreuses récompenses, comme des pierres de la destinée, pierres d'invocation sur la bannière permanente, des pierres de la fatalité, pierres d'invocation sur les bannières temporaires, un modèle de planeur de vent et des plans de gadgets. Donc ici on a la liste des récompenses par niveau d'offrande, et honnêtement c'est plutôt intéressant parce que ça ne consomme pas de résine, je le rappelle hein, ici. Donc on a au niveau 1 et 2, on a une pierre de la fatalité. Enfin, je pense que c'est une, la quantité n'est pas marquée ici. On verra évidemment en jeu. On a des objets pour améliorer les armes et on a des moras. Au niveau 3, on a des livres d'XP. Au niveau 4, on a le gadget de la fiole exothermique.
Au niveau 5, une paire de, les paires de la fatalité. Niveau 5, paire de la destinée, pardon. Ça, c'est paire de la destinée. Ça, c'est paire de la fatalité au niveau 6. Au niveau 7, des bouquins d'XP. Au niveau 8, on a un prototype de lance. Donc, qui va nous permettre de crafter en fait la lance spéciale de la zone. Hein. Au niveau 9, on a la carte de visite. Ça, c'est pas très, c'est pas ouf. C'est que du cosmétique. Au niveau 10, on a le plan pour crafter le catalyseur de la zone. On verra plus bas et nous détaille le catalyseur. Et ce catalyseur peut être très intéressant. Au niveau 11, on a une couronne. Hein. Je rappelle, la couronne est utile pour augmenter les aptitudes de niveau 9 à 10 de vos personnages. Et au niveau 12, vous avez les ailes. Alors, la fiole exothermique, du coup, qu'on débloque au niveau 4, voici les composants. Donc ça, ce sont les pistils de fleurs enflammées. Donc je rappelle, c'est les fleurs qui ont du feu autour. Vous les ouvrez avec une attaque hydro ou avec une attaque cryo. Et vous pouvez récupérer la pistil à l'intérieur. Donc commencez dès maintenant à farmer, à récupérer du moins ces pistils sur les fleurs enflammées que vous croisez. Et du minerai d'argent étoile. Donc c'est un nouveau minerai qu'on devra sûrement récupérer dans la zone des monts d'Odragon. C'est un nouveau gadget, donc il a un temps de recharge de 120 secondes, comme on nous le dit plus bas, après utilisation, elle se recharge pendant 120 secondes. La fiole exothermique émet de la chaleur et réduit la progression des effets du grand froid dans un petit rayon pour une courte durée. Donc ici, vous activez la zone, ça vous fait diminuer votre zone de grand froid pendant une courte durée. Donc là, on voit que ça diminue jusqu'au presque au maximum. Et ici, on voit l'animation, donc intéressant comme gadget. Ça, c'est le thème de la carte de visite que vous débloquez au niveau 9. Et ensuite, ici, au niveau 10, la recette du catalyseur. Donc ça, c'est une nouvelle arme à crafter, donc une nouvelle arme free-to-play. 42 d'attaque de base, c'est moyen. On a de l'attaque pourcent en stats principale également. Et ici, on a l'effet. Donc quand on touche un ennemi avec une attaque normale ou une attaque chargée, on a 60% de chance, donc au niveau 1. Augmente avec le raffinement, vu que c'est en bleu, de déclencher du coup une attaque de zone qui fait 80% de l'attaque. Et si l'ennemi est affecté par l'élément cryo, eh ben on lui fait 200% de l'attaque. Cet effet peut se déclencher une fois toutes les 10 secondes. Aujourd'hui, en termes de catalyseur, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent porter ce catalyseur et sur lequel c'est intéressant. À la limite, il y a Klee. Klee, ça peut être intéressant si vous n'avez pas de catalyseur 5 étoiles. Parce que, évidemment, vous allez jouer avec un support cryo qui va appliquer l'effet cryo. Et comme ça, vous allez pouvoir faire un gros burst de dégâts qui fait 200% de l'attaque de Klee. Maintenant, quand ils vont nous sortir un personnage catalyseur cryo, je pense que cette arme sera sûrement l'une des meilleures armes sur ce perso, parce que le perso va pouvoir appliquer cryo en permanence, et toutes les 10 secondes, et bien il va faire un 200% d'attaque damage en plus, en zone. Donc, honnêtement, ça peut être très intéressant sur un catalyseur cryo. Aujourd'hui, on n'en a pas des personnages comme ça, mais dans le futur, quand ils vont en sortir un, c'est sûr, on en aura un jour, et bien cette arme-là va être très intéressant sur ce perso. Ça va lui permettre de faire des bursts de dégâts vraiment très intéressants toutes les 10 secondes. El Rival, du coup, ici, on a le skin du planeur de la zone quand on est au niveau max d'offrande, donc niveau 12. Et ensuite, on a également une autre mécanique ici. En plus des récompenses citées ci-dessus, vous pourrez débloquer Désir écarlate au niveau d'offrande 9. 5 nouvelles quêtes seront ajoutées tous les lundis et les vendredis et vous récompenseront avec des agates pourpres si vous les accomplissez. La quête, la quantité d'agates pourpres que vous pouvez trouver dans les mondes aux dragons est limitée, mais les quêtes du désir écarlate vous permettront d'en obtenir davantage pour les offrir à l'arbre permagelé. Désir écarlate ne sera plus disponible une fois que l'arbre permagelé aura atteint son niveau d'offrande maximum, hein, ce qui est normal. Hein. Donc, on va pouvoir débloquer à partir du niveau 9 d'offrande des quêtes. Donc, 5 quêtes qui se réinitialiseront le lundi et le vendredi. Donc, en tout, on a 10 quêtes par semaine à faire qui nous permettent de récupérer de l'agate pourpre. Alors, je pense qu'il y en a une. Donc, on peut en récupérer 10 par semaine à partir de niveau 9 d'offrande. Et honnêtement, c'est marqué qu'il y a une quantité d'agate pourpre limitée sur la zone. Ça veut dire qu'à mon avis, on a de quoi passer de niveau d'offrande 9 avec les agates pourpres qu'il y a dans la zone. Et ensuite, il va falloir faire les quêtes. Donc, un contenu qui va s'étaler quand même sur quelques jours, semaines, pour monter au niveau d'offrande 12. À savoir qu'au niveau d'offrande 12, évidemment,
Les récompenses, ce seront le catalyseur, donc le plan pour le catalyseur, la couronne et les ailes. Voilà, il vous restera 3 niveaux à faire, vous aurez déjà récupéré les pierres d'invocation, etc. avant. Ensuite, nous parle du nouveau donjon, les pics de Vindagnir. Du coup, après avoir accompli la quête La créature des montagnes, vous débloquerez le donjon au sommet des monts d'Eau-Dragon, connu sous le nom de pic de Vindagnir. Vous pourrez obtenir des artefacts de sept briseurs de glace et âmes des profondeurs en relevant les défis que ce donjon propose. Donc, c'est le donjon, il n'y aura qu'un seul donjon dans lequel vous pourrez dropper les artefacts cryo et les artefacts hydro qui ont été présentés lors du live. Hein. Donc, à voir, évidemment, moi je ne joue pas de personnage qui hydro et cryo qui demande d'avoir ces artefacts. Donc, je ferai peut-être le donjon une fois, mais je ne le farmerai pas. Mais je ferai une vidéo quand même sur ce donjon pour vous expliquer un peu comment ça se passe, parce qu'il a l'air un petit peu particulier. Il y a une petite phrase en dessous. Dans ce donjon, les personnages subiront les effets du grand froid, tandis que le sol durant les défis seront tantôt gelé, tantôt chauffé, ce qui accélère ou réduit, le cas échéant, la progression des effets du grand froid. Donc, ça, c'est très intéressant. Il va falloir gérer son grand froid tout en gérant évidemment les monstres dans le donjon. Ensuite, il nous parle de l'événement Craie et Dragon, donc l'événement principal qui va avoir lieu pour la mise à jour 1.2, à l'image des astres évanouis pour la mise à jour 1.1, mais celui-ci a l'air beaucoup plus poussé que les astres évanouis. En terminant l'événement Craie et Dragon, vous pourrez obtenir l'épée à une main exclusive Croc Suppurant. Certaines quêtes vous récompenseront avec de nouveaux effets pour le Croc Suppurant. Le personnage qui en est équipé bénéficie de bonus spéciaux lorsqu'il se trouve dans la région des monts d'Eau-Dragon. Donc on a ici les effets spéciaux de l'épée que vous pouvez débloquer. Donc le personnage qui porte cette épée durant l'event fait 60% de dégâts supplémentaires sur les ennemis de la zone des monts d'Eau-Dragon. Donc déjà 60% de dégâts supplémentaires, c'est beaucoup. Et ensuite, le deuxième effet, c'est le personnage qui a équipé cette épée réduit les effets du grand froid, donc réduit la vitesse d'accumulation du grand froid, et gagne également 35% de chances de critique sur les ennemis de la région des monts d'Eau-Dragon. A savoir, petite chose qui n'est pas marquée ici, qui fait partie des leaks, donc à prendre quand même avec des pincettes, mais si c'est Albedo qui porte cette épée, les effets que vous voyez ici, qui normalement s'appliquent seulement aux personnages qui portent l'épée, s'appliquent sur tous les personnages de l'équipe. À prendre avec des pincettes néanmoins, on attend évidemment la confirmation en jeu, mais dans les leaks qu'on avait eus, c'était ce qui était expliqué. En gros, il y avait une petite phrase en dessous qui disait que si c'est Albedo qui porte cette épée, et bah les effets ici s'appliquent à tous les membres de l'équipe et pas seulement aux personnages qui la portent. Donc ça peut être assez fort honnêtement. Ensuite, après avoir débloqué la région des monts d'Eau-Dragon, vous pourrez continuer à utiliser des résines originelles pour participer à l'événement. Les récompenses pourront être obtenues par échange dans la boutique de l'événement. Alors là, il y a une erreur, attention, warning, il y a une erreur dans la traduction française. On va passer sur on va passer ici sur l'article anglais. Et l'article anglais dit « Traveler do not need to consume original résine », donc n'a pas besoin de consommer de la résine originelle pour participer à l'événement. Voilà, il y a une petite erreur ici de traduction, donc faites attention avec les versions françaises, des fois il y a des erreurs de trad, mais ici c'est une grosse erreur de traduction honnêtement, parce que ça change pas mal de choses, hein. Le fait de devoir consommer de la résine ou pas, c'est pas rien, hein. On sait que la résine c'est un sujet sensible, donc c'est pas rien comme petite erreur de trad. Écoutez, voilà pour cet article concernant les ajouts qui vont arriver en 1.2. Moi je suis hype honnêtement, je suis ultra hype par cette mise à jour. Donc il n'y aura pas du coup de live par contre mercredi, hein, j'avais laissé entendre l'idée qu'il y aurait pu avoir un live découverte mercredi. Mais néanmoins, je vous ferai une très grosse vidéo, très longue, d'environ 1 heure, 1 heure et demie, de ma découverte de la mise à jour 1.2 qui sortira du coup jeudi matin, donc le 24 au matin. Et du coup, voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes hype? Moi, personnellement, ma hype, elle est à un point
de ouf là. Cette mise à jour va vraiment être très très intéressante. J'attends de l'avoir dans les mains. J'ai hâte d'être à mercredi. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!